Bonjour, c'est Clément et aujourd'hui on va vous parler des tomates de la ferme de Galie parce qu'on a un choix incroyable et c'est le moment de les planter dans le potager. Mes petits coups de cœur, précoce de Quimper, qui est une variété qui donne très tôt en saison, qui est très goûtue, c'est une tomate grappe. Vous allez avoir une collection de petites tomates cerises comme Harmonie, ça c'est de la cocktail, petite cerise super sweet, on va avoir Pépé qui est une variété délicieuse, c'est un vrai petit bonbon. On a évidemment pour l'apéro, la tomate cerise apéro, en plus de la tomate apéro. Essayez la cacahuète, ça se marie bien. Ça, c'est un petit bijou qui n'est pas connu du tout. Et une très très bonne tomate, indigo kumquat. Après, on va avoir les grandes classiques, évidemment. Cœur de bœuf, si on a un peu de place, tomate ananas. Une autre incontournable dans les vieilles variétés, noire de Crimée. On a aussi, regardez ça, mirabelle blanche. Ça, c'est incroyable. Que des variétés sympathiques. Je vais vous parler aussi de choses qu'on fait à la ferme de Galie, c'est les trios de tomates. Vous avez des trios gourmandes, des grosses, des plus petites, trios apéritifs, petit trio de tomates cerises, les trios de tomates cœur, les trios de tomates anciennes. Ça, regardez la qualité des plants, c'est magnifique. Je vais aussi vous montrer les tomates greffées. Ce sont des variétés anciennes qui ont été greffées sur des variétés très résistantes. Ça vous permet d'avoir plus de rendement et d'avoir une meilleure résistance aux maladies. Puis elles sont aussi moins gourmandes en eau parce qu'elles ont des systèmes racinaires très puissants. Et donc on a toute une gamme aussi de tomates greffées. Je vais pas pouvoir toutes vous les montrer parce qu'on en a tellement, mais je vous invite à venir les découvrir à la ferme de Galie.